Obali oyo Yesu. Cet homme Jésus. Solo azali. Il est vraiment Dieu. C'est ça le grand mystère de la Bible. Yangonde libomba mi monene ya Biblia. Dieu Nzambe s'était fait homme. Ami komisaki moto. Il n'y a pas de mystère plus grand que ça. Libomba mi a monene koleka yango ezate. Dieu est apparu dans la forme d'un homme. Nzambe amonani na lolenge ya moto. Nous l'avons vu. Tomoni ye na misu. Nous l'avons touché. Tosimbi ye. Il a mangé avec l'homme. Alié elongo na moto. Il a dormi avec l'homme. Alali esika moko na moto. C'est le mystère le plus grand. Yangonde libomba mi a monene le mystère de la piété est grand. Libomba mi a bonzambe leki monene. Dieu Nzambe a été manifesté dans la chair. Amoni samaki na nzoto. Vu des hommes. Amonani na bato. Adoré par les anges. Akumba même la mina bato. Élevé dans la gloire. Aneto la mina nkembo. Prêché partout dans le monde. Ateyami na mokili mobimba. Cru. Andimami dans le monde entier. Na mokili mobimba. Ah oui, aboyi kondibanga andimi Yesu Nzambe. Et celui qui ne veut pas croire, moi je crois que Jésus est Dieu. Il est mon Dieu. Azali Nzambe nangai. Mobali oyo Yesu. Ah. Solo azali Nzambe. Mobali oyo Yesu. Ah. Solo azali Nzambe. Musu swazate. Kakayi. L'unique, l'incomparable. Avant lui, il n'y avait pas de Dieu. Liboso naye Nzambe moko azoma kite. Après lui, il y en aura pas. Sima na ye Nzambe moko pe akozalate. Il est l'unique. Azali bobele ye moko. Et l'incomparable. Pe oyo bakoki kokokanisa na moto te. Amen. Amen. Oh, aujourd'hui c'est vraiment la fête, n'est-ce pas? Lelo ezali penza feti. Pour moi, je trouve que c'est la fête. Bonanga ina moni ete ezali feti. Levez-vous, nous allons lire la parole de Dieu. Botelema totanga liloba na Nzambe. Nous lirons dans les psaumes de David. Tokotanga na Nzembo na Dawidi. Psaume 62. Mokapo ya tuku motoba na mibale. Nous commençons verset 2. Tokobana na nzela ya mibale. Oui. C'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Iyo moli monangai ekolikia bobele na Nzambe. Kobika nangai euti epai na ye. Oui. Celui qui est mon rocher et mon salut. Iyo bobele ye nde libanga nangai mpe lobiko nangai. Ma haute retraite, je ne chancelerai guère. Ye azali ekimelo nangai nakotenga tenga te. Sept. Oui. C'est lui qui est mon rocher, mon salut. Ma haute retraite, je ne chancelerai pas. Bobele ye azali libanga nangai pe kobika nangai. Ye azali ekimelo nangai nakotelengana te. Psaume 63, 9. Tukumotoba na misato libwa. Mon âme est attachée à toi. Ta droite me soutient. Moli monangai ekangami elongo na yo.
Loboko na yo na mobali esimbi ngai makasi. Prions le Seigneur. Tobonde lankolo. Dieu notre Père céleste. Nzambe tata na biso na likolo. Qui suis-je, Seigneur? Ngai nazali na ninkolo. Une motte de terre. Bobele e bolumoko ya mabele. Beaucoup étaient morts. Et quand j'étais né. Tango na botamaki ebele bakufaki. Tu nous as protégés, Seigneur. Yo obatela kibisonkolo. Beaucoup de nos familles ne croient même pas à la parole de Dieu. Mingi kad na mabota na biso bandimeli atali lo bana nzambe te. Mais nos noms étaient écrits avant la fondation du monde. Kasi bakombo na biso e komama kiliboso mokili ezali sama. Nous ne pouvons te dire que merci. Biso otokolo bano ezali bobele te matondi. Tu nous as protégés. Yo bateli biso. L'année 2013 est terminée. Et nous sommes entrés dans l'année 2014. Ngolou. La grâce. Ngolou. La grâce. C'est ta grâce, Seigneur. Qu'est-ce que nous avons fait de bien? Rien du tout. Mais tu nous as aimés le premier. Aujourd'hui, Seigneur, nous te faisons encore confiance. Parle-nous, Seigneur. Donne-nous la force d'entrer dans 2014 avec une confiance absolue en toi. Je prie, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Je veux relever leur foi en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Mettez l'encolo Yesu maboko. J'ai prêché ça le vendredi. Na te akango moko na mitano. Alors que je préparais autre chose. Na tango yongai na bandaki kobongisa lité ya mosusu. Le frère Guy, mon interprète, me dira, est-ce que tu ne peux pas reprendre ce que tu avais prêché le jeudi? Ne kobali Guy, molimbo nanga ya lobi ete okoki kozongela te oyo te akimo kona mitano. J'ai dit ah. C'est quoi encore? Nini li sous. Et puis, c'est mon frère Claude. Nasima ndekonanga mobali Claude. Il dit, papa, si tu ne peux pas prêcher, reprendre un peu ce que tu avais prêché le vendredi. Aïe kolobananga yo koyo kozunge lo yo teki mokonamita note. J'ai dit, complot. Nalobi boyo kani. Alors quand j'en ai parlé à mon épouse, Bongo tango na lobele yango molongani wanga, chérie Afo, chérie Afo, maman na bango, la mère des enfants. Amen. Elle m'a dit, oui papa, recommence ça. Abinanga iyo papa zongela pesa yango. Oh là là. Même maman Ngongo qui était là a crié, papa, si tu peux recommencer. Attends, maman Mangongo, c'est là qu'il y a un arabe, papa, ce qui est au Gozongelango. Prêchez-nous ça. Teya bisoya. De nouveau. Teya bisoyango lissusu. Je veux prêcher ça encore aujourd'hui. Na kote yango lissusu lelo. Au Kasai, on mange le pondu tous les jours. Na Kasai, baliaka pondu mikolonios. Je vous dis la vérité. Même moi, je mange le pondu tous les jours. Je ne m'en fatigue pas. Et le foufou là. Na foufou. Tous les jours. On ne se fatigue pas de cela. On ne se lasse pas. Supportez-moi que je répète un peu. Ce qui a été prêché le vendredi. Le titre de ma prédication, j'ai confiance en Dieu. Pour l'année 2014. Vous pouvez le dire à haute voix. J'ai confiance en Dieu pour l'année 2014. Je n'ai pas peur. Ngai
nazali kobanga te. Je ne connais pas 2014. Na yebi mobu kote ba nazomi na mine ndenge zaki. Si quelqu'un vous dit qu'il connaît ce qui se passera dans 2014, il est un menteur. Seul Dieu, c'est lui qui tient l'avenir. C'est lui qui connaît toutes choses jusqu'à la fin, jusqu'à dans l'éternité. C'est qui? C'est Dieu. Je lui fais confiance. Si vous avez Dieu, vous n'aurez pas peur. Il y a des gens, quand ils reçoivent un mauvais songe, alors ils disent, je ne sors pas aujourd'hui. Pourquoi? Il a eu un mauvais songe, un cauchemar. Et dans ce songe-là, on l'a tué. On l'a poignardé et puis il est mort. Il dit à sa femme, aujourd'hui, je ne sors pas. Pourquoi? Il n'a pas confiance dans cette journée-là. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, tel que nous sommes sortis, nous avons confiance que notre Dieu nous protège aujourd'hui. Nous avons confiance qu'aujourd'hui, puisque nous avions prié, nous sortirons et nous irons sur nos lits avec toute la tranquillité le soir. Est-ce que j'ai dit la vérité? Mais alors, faites confiance en Dieu. Parce que dans l'année où tu es entré, tu seras à l'aise. Parce que Dieu est avec toi. Jusqu'à la fin de cette année, il te protégera. Quand vous avez peur, la chose là que vous craignez viendra sur vous. Vous connaissez l'histoire de Job. Ce qu'il craignait, c'est ce qui lui est arrivé. Mais quand vous avez confiance en Dieu, Dieu vous protégera. Parce que c'est écrit, il ne vous décevra jamais. Acclamez le Seigneur Jésus. Faites votre inventaire. Pima misala na yo. Voyez comment vous avez marché. Tala ndenge yo otambolaki. Dans l'année 2013. Namobu kote bale na zobi na misato. Ne regardez pas seulement l'actif. Regardez aussi le passif. Là où ça ne va pas, laissez cela dans 2013. Votre côté faible là, que ça reste dans 2013. Moi, je ne connais pas ça. Moi, quand je te vois, je vois un frère. Quand je te vois, je vois une soeur. Mais il y a deux personnes qui connaissent. Deux personnes qui connaissent. Toi et Dieu. Comment tu as marché dans l'année 2013? Tu le sais. Réponds toi-même. Tu as un bon côté. Mais tu as aussi un mauvais côté. Faites un effort. Par la prière. Parlez à Dieu. Pour que votre mauvais côté meurt.
Kufa. Amen. Amen. Qu'est-ce qui vous a empêché d'être un bon chrétien en 2013? Les femmes? Basi. Répondez, c'est vous-même. Yomoko Zongisa. Ngaïté. Pas moi. Les femmes? Basi. Il y a des gens qui viennent ici. Batomosusu Bayaka Awa. Mais ils aiment beaucoup les femmes. Kasi Balingi Basi Mingi. Et ils vont venir ici. Avec ces péchés-là. Si vous croyez déjà au message, ne le faites plus. Ça ne vous honore pas. Les gens vous voient là où vous entrez. Toi, tu penses qu'on ne te voit pas. Mais quelqu'un te regarde. Ça ne t'honore pas. Ça n'honore pas le message que tu témoignes. Et tu as toujours la brochure. Ta vie. Fais l'inventaire. Est-ce que ce sont les critiques qui vous empêchent vous-même? À votre conscience, vous savez que je n'ai pas été une bonne sœur. Je ne faisais que critiquer les gens. Il faut laisser cela. Aucune église ne peut vous purifier. Si vous-même, vous ne voulez pas laisser cela, c'est vous qui devez vous décider. En tout cas, ici, la façon dont je parle, quand les gens ne sont pas là, sur eux, je me reproche. Je dois laisser ça. Même Rigini ne peut pas vous sauver. C'est le sang de l'agneau qui nous sauve. Amen. Amen. Quand vous êtes dans le sang de l'agneau, le sang de l'agneau doit vous nettoyer. Vous tombez, il vous relève. Il est ici. La façon dont vous avez parlé là, contre votre soeur là, si elle était là, est-ce que vous auriez parlé de cette façon là? Ne le faites plus. Vous êtes dans le corps mystique du Seigneur Jésus avec elle. Ce que vous avez dit contre ce frère ici, et vous le saluez. Oh mon frère. Mais s'il savait ce que tu dis quand il n'est pas là, est-ce qu'il serait content de toi? Qu'est-ce qui t'empêche? Toi-même, consciencieusement, de dire que je suis un chrétien. Enlevez cela. Longola yango. Que cela n'entre pas dans 2014. Nous vivons dans le dernier âge de l'Église. C'est un âge dangereux. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ah oui. Pourquoi? Si vous ratez, c'est fini. Et Sili, c'est un âge où on devait être plus prudent que dans tous les autres âges. Nous sommes dans l'âge de l'Odyssée. C'est le dernier âge. Ne cherchez pas seulement à enlever ce qui se trouve dans l'œil de votre frère ou de votre soeur. Faites tout pour enlever ce qui se trouve dans votre œil à
Comment vous saurez comment prier? Alors vous saurez comment prier pour l'autre. Vous savez, quand j'ai prêché cette prédication, je suis allé à la maison. Le matin, quelqu'un soufflait dans mon cœur. Un souffle de joie. Aujourd'hui, ça c'est plus que tout ce que j'ai eu comme expérience. C'est plus que le diamant. C'est plus que les millions. C'est comme si mon cœur s'ouvre et le Saint-Esprit envoie le bonheur à l'intérieur. J'ai dit, oh Dieu, quelle expérience! J'ai commencé à louer Dieu. J'ai dit merci. Alors il me dit, c'est parce que tu as prêché cette prédication. Tu as donné la foi à mes enfants. Ne croyez pas au diable. Croyez en Jésus-Christ. Le diable ne peut rien vous donner. Mais Jésus vous a donné la vie éternelle. Le diable ne peut pas vous protéger. Il peut vous tuer. Mais Jésus, il vous donne la vie éternelle. Et il vous donne la protection éternelle. Malgré nos faiblesses, il sait que nous sommes des êtres humains. Il ne nous abandonnera pas. Je peux lire ça, Frère Madame l'a dit. Est-ce qu'il peut vous abandonner? Est-ce qu'il ne sait pas que vous êtes faible? Il ne vous abandonnera pas. Oh! Parce que votre nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Dans la prédication, l'unité. Paragraphe 33. Nous faisons des erreurs. Nous le savons. Toutefois, ce n'est pas à cela que nous devons regarder. Ce ne sont pas nos erreurs qui comptent. Parce que nous allons toujours les avoir. Mais nous devons faire un effort pour nous conformer aux règles que nous pouvons obéir. Nous devons faire un effort pour nous conformer aux règles que nous pouvons obéir. C'est comme il faut quoi chanter. Tu connais mon cœur, oh Dieu. Je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Gloire soit en Jésus-Christ. Celui qui a commencé le travail, celui qui l'achèvera, vous serez sans tâche ni ride un jour. Si vous avez la volonté de changer, vous allez atteindre cela un jour. Amen. Amen. Nous vivons dans un âge le plus court. Vous me suivez? Et puis la mort peut venir aussi. On a tout vu. Tout ce qui est écrit dans la Bible, Bible qui devait venir pour nous montrer la fin des temps, toutes ces choses-là sont arrivées. Est-ce que c'est la vérité? Oui, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Est-ce que c'est arrivé? Ah oui. Même dans notre propre pays. Ouvrez un peu la radio. On parle de la guerre au Soudan. On parle de la guerre comment on appelle ça encore? Centrafrique. Centrafrique. La grande guerre en Syrie. Et Syrie. Et la guerre en Irak maintenant. Et Irak. Les gens là ont pris toute une ville. Les rebelles d'Al-Qaïda. La guerre. Donc c'est accompli, non? Bitumba. Et Kokisami. Vous voulez encore quoi? Yo, olingi lisuni. Ce sont des signaux rouges.
Ezali bilembo motane ya likebisi. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Koningana na mabele ko sale mabisika na bisika. Mais c'est accompli. Ekokisami. Tremblement de terre, 200 000 morts en un jour, c'était où? En Haïti. Koningana mabele batokoto kama mi bale na mokolo moko bakufi na Haïti. Tremblement de terre et tsunami au Japon. Koningana mabele pe tsunami kuna na Japon. Les voitures sur des maisons. Mituka maye memiango likolo bandako. On a vu beaucoup de tsunamis. Tomoni ba tsunami ebele. Nous sommes arrivés à la fin. Tokomi na suka. Jésus a parlé de faux prophètes. Yesu alobaki na tina na basakoli. Mais ils sont pleins. Bakomi bebo. Est-ce que je dis la vérité? Na lobi ya solo. Tout le monde, je suis prophète. Motone se komi kala. Je suis prophète. Ngai mosako. Oh, je suis prophète. Oh, ngai mosakoli. Toka kule. Allez, longo ana. Nous avons eu un vrai prophète. Biso tosinde mosakoli ya solo. C'est toujours dans Matthieu 24. Ezali kana matai tukume na mine. Dieu va envoyer un véritable prophète. Nzambe qui prêchera l'évangile du royaume. Atindi mosako na solo penza. Oyako te ya sango malamu na bokono. Son nom est William Marion Branham. Kombo na ye ezali William Marion Branham. Et la Bible dit, alors viendra la fin. Pe Bible le bien tena tango yango nde suka ekoya. Est-ce que l'évangile éternel est en train de te prêcher? Oui, monsieur. Sango malamu ya seko ezali koteyama. Iyo. Est-ce que le prophète du temps de la fin est venu? Oui, monsieur. Est-ce que mosako na tango na suka aye? Mais qu'est-ce qui nous reste encore? Elo koni netikali na biso lisusu. Aujourd'hui, lelo yo, le match est presque terminé. Mati esi esili penza. Je vous dis la vérité. Na kolobela bino solo. Ce n'est pas le temps de jouer. Ezali sutango ko sakana te. C'est le temps de prendre sa vie au sérieux. Ezali tango ya ko kamata bomo ina yona eyongi. Vous risquez de revenir ici un jour. Likame ezali oya mokolo moko. Batu bazate. Plus de gens. Où est-ce qu'ils sont partis? Me bakeyi wapi? Nous sommes enlevés. Tone tolami. Nous sommes partis au ciel. Tokeyi na lola. Mon travail, c'est de vous dire la vérité. Ce n'est pas de vous effrayer. Toutes les prophéties de la Bible sont accomplies. La famine, Nzala, les guerres, Bitumba, les tremblements de terre, la sodomie. Les hommes se marient avec les hommes. Est-ce que cela est arrivé? Yango et Salemi. Oh, oui. Iyo. Oui. Iyo. Puisque dans tous les pays civilisés presque. Pene na bamboka nyonso ya lobiko ba lobiko alikolo. Et toboyi civilisation en abiso. Ebiso toboyi lobiko wana. Toboyi. Si être civilisé, c'est de prendre votre frère comme votre femme, non, c'est toboyi. Ce qui cause la civilisation, c'est que les gens qui ont été en train de se faire, c'est une civilisation. Et nous refusons cette civilisation. Est-ce que la sodomie est entrée dans ce monde ici? Sodomie est contre mon kilo. Les homosexuels. Bah, homosexuels. Moi, je vais mettre clair dans mes prédications. C'est un signe du temps. Ezali elembo ya tango. Oui. Iyo. Le fils de l'homme doit être manifesté quelque part. Moi, na na moto sengali ko monisa manisika moko. Là où se trouve l'élu Abraham. Esika Abraham mopona miazali. Est-ce que le fils de l'homme s'est manifesté? Moi, na na moto mi monisi iyo. Dans la personne de William Marion Branham. Kati na William Marion Branham. Et les élus, c'est nous. Peba pona miazali biso. Ah oui. Iyo. Nous représentons Abraham. Biso tozali kotalisa Abraham. Amen. Amen. Et Sarah. Na Sala. La dame élue qui doit enfanter. Moi si mon ponami, oya sengeli kobota. Nous sommes au temps de la fin, mes frères. Tokomi na tango ya suka bandeko nangai. Frère Banama dit, c'est l'âge qui sera le plus court. Ndeko banama biete, yangunde le kwe koza mokuse koleka. Qui a déjà lu ça? Nani asa tanga yango. C'est l'âge le plus court. Ezali elekwa mokuse koleka. Oh, l'âge le plus court. Ndokande elekwa mokuse. Selon le message de Frère Branham. Koko kana sangone ndeko Branham. C'est quel âge? Ezali konini. Éphèse. Ezali Éphèse. Ça a commencé à l'an 53. Ebanaki na mobutu kumita na misatu.
pour se terminer à l'an 170. Et suki na mobu mokama na tukusambo. 117 ans. Mibu mokama na zomi na sambo. Si vous savez faire le calcul, c'est soko ebi kosami tuya ezali mokama zomi na sambo. Et l'Odyssée a commencé quand? Bongo l'Odyssée banda ki tango nini? En 1906. Na mobu koto moko kama libona motoba. De 1906 jusqu'à 2014, ça fait combien? Outa koto moko kama libona motoba kino na 108. Il nous reste combien? Et sali mokama na pour égaler totika na boni Éphèse. Poto koko na Éphèse. 9 ans. Mibu libwa. Moi ça me fait trembler. Ngai ezali kobangisa ngai. Je pense que je ne mourrai pas. Ngai na kanisi ate na kokufa te na bonunu. Voyez un peu comment je suis. Tala nanu makasi na ngai awa. Voyez un peu comment je suis. Tala ndenge na kopimbo. Moi je pense pas que 9 ans peut me tuer. Ngai na ndimite te mbula libwa ekoyi koboma ngai. Mes frères, bande ko na ngai. Mais il est écrit encore. Kasi koma minisusu. Ça sera court. Et te koza mukuse. Donc c'est moins 8. Et les gobete ekozana se ya libwa. Il nous reste 8 ans. Et tika na biso so to longoli moko tika libwa. Si j'enlève 2 ans. So na longoli mibale. Il va nous rester 7. Et tika lisambo. J'ai peur moi aussi. Ngai pe ezobangisa ngai. Vous qui n'êtes pas encore marié, vous êtes fiancé, mariez-vous rapidement. Bino yonan bobali te boza babanami. Noki noki bobala. Frère, bandeko. Ce que le prophète a dit ne passera pas. Oyo mosakola lobi ekole kate. Ce qui est écrit est écrit. Oye komami ekomami. Jésus viendra. Yesu akozonga. Et vous allez voir Pebo komun. Que les autres vont rester. Ete batomosu bakotikala. 9 ans. Enlevons 3, ça va rester 6. Mbula liboa tolongana misato ekotika motoba. Et la Bible dit, pe Bible lobi. Ça sera des temps vraiment du péché. Ekozala batengo moko masumu. Ekozala bebo. Est-ce que c'est la vérité? Ezali ya solo. C'est dans oh là là. Matthieu 24. Je crois que c'est ça. Et allez na matin tout comme benamine. 24 combien? 22. Le péché sera accru. Masumu ekofuluka. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Dans quel âge? Bino bosi bomona yango ne le konini. Que le péché puisse atteindre ce niveau ici. Et te masumu ekoma na mosando ekomi leloyi. Je vais lire ça. Nakotanga yango. Je commence à 23, à 21. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Nanu péché et koma et sika et komite. Le chemin n'a jamais surabondé comme dès nos jours. Aujourd'hui, une fille vierge, c'est difficile de trouver. Les lombo okokako mona mona moasi ngondo eza passe avec la pornographie dans les appareils téléphoniques. Na bililingi ya basi mutakala mibali mutakala na appareil à téléphone. Le diable a détruit la sainteté de beaucoup de personnes. Satan a bébé ce qui moussantou yabatebele. Ils ont des bibles. Bazana ba bible. Mais ils ont des consciences qui ne sont plus tranquilles. Kasi maso soli na bango ezali susu kimiate. Je sais de quoi je parle, je suis serviteur de Dieu. Yebi makambo na zolo banaza mosan na nzambe. Ils sont, comment on dit moi na ngaza pia en français makasi. Addicted en français. Addicted. C'est comme ils sont addictés, disons ça comme ça. Venez, le péché est tellement en eux, ils sont possédés. Ils ne peuvent pas s'en détacher. Et les gens
te masumu pensa emifandisika ndabango na lenge te bakontami na masumu wana ndenga kokabona na ngwezate. Il peut demander pardon aujourd'hui. Akokile lo sengi bolimisi. Il tombe demain. Lobi akoi lisu. Il demande pardon demain. Asengi bolimisi lobi. Il tombe après demain. Lobi kuna kwe. Je vous dis la vérité mes frères. Nazolo bebino solo bandeko na ngai. Mais Dieu vous regarde. Kasinzambe azali kotala yo. Il dit vous vous êtes des élus. Le travail qu'il a commencé en vous, il est obligé de l'achever. Dieu ne fait jamais de maison inachevée. À cause de vous, l'étage sera encore abrégé. Il va siffler prrr, match sili. Akobeta piololo lobi match sili. Le diable dira non. Satan a kolobate. Comment ça peut terminer? Ndenga nini match kene kusila. Il y a encore quelques minutes. Moi minute tikali. Il dira au diable c'est moi l'arbitre. Akoloba zabolo, ngai ndemo beti piololo. Il attend que le dernier puisse comprendre. Azali kozelete mopona miasuka akoka kokota. C'est pas le dernier qui dit que je crois. Ce n'est pas le dernier qui est dans une dénomination. C'est le dernier dont le nom se trouve dans le livre de vie de l'agneau. Comment il le saura? Il doit croire au message de son temps. Comment vous savez que vous êtes un élu? Mais parce que je crois au message du temps de la fin. Est-ce que je suis clair? Parce que votre cœur aime la sainteté. Dieu enlèvera cette faiblesse-là. Alors il va siffler. Nde akobeta piololo. Oh Jésus. Oh Yesu. La kisabana yo. Enseigne tes enfants. Matthieu 24, 22. Et si ce jour n'était abrogé, personne ne serait sauvé. Qui parle? Jésus est qui? Yes. Le temps sera tellement mauvais. Si Dieu n'arrête pas ça avant le temps, il dit personne ne serait sauvé, même pas le pasteur Baruch. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Quand vous marchez, Tango, ozali un ange est derrière vous. Moi, j'ai moko, azakotamo. Il a votre face, votre visage. Azali nelongi na yo. Et il vous dit, mais pourquoi? Pourquoi? Pourquoi vous ne prenez pas au sérieux la parole que Frère Baruti prêche? Pourquoi vous ne croyez pas à ce que Branham prêche? Pourquoi vous ne vous conformez pas à ce que la Bible dit? C'est votre théophanie. Parce que vous êtes élu. Les autres n'en ont pas. Je vous donne une invitation aujourd'hui. Dieu vous connaît. Je sais que vous changez de calendrier. C'est très bien, moi aussi j'ai déjà changé. Changez aussi votre cœur. N'entrez pas avec un cœur mauvais. Dans 2014. Aimez vos ennemis. Même si quelqu'un ne vous aime pas. N'ayez pas de problème avec quelqu'un. Ne critiquez pas. Faites seulement de bonnes paroles. Dites seulement de bonnes paroles. Yo. Priez pour vos ennemis. Lobaka
Amen. Amen. Il faut atteindre la perfection. La perfection, c'est être comme Jésus. Jésus, on lui a caché au visage. Il n'a pas répondu. Mais c'était Jésus, non? Mais David, dans l'Ancien Testament, on lui a craché au visage. Il a dit, laissez cet homme tranquille. C'est Dieu. Il y a des choses qui arrivent. Et vous ne voyez pas Dieu. Toutes choses concourent au bien de ce qui est Dieu. Il a dit, ne lui coupez pas la tête. Mais cet homme a craché sur notre roi. Un jour, tu seras au trône, David. Nous croyons en toi. Il dit, si Dieu ne lui avait pas permis, il n'allait pas cracher sur moi. Laissez-le tranquille. Ton problème à toi, c'est d'être comme Jésus. C'est d'atteindre la perfection. Quelqu'un peut dire amen à cela? Paul a dit, Paul a l'obaki. Nous ne devons pas regarder dans les rétroviseurs. Amen. Amen. Il dit ceci. Abiboui. C'est de Philippiens 3. Ba Philippi, mon kapoyami sato. Verset 12. Nzela ya zomi na mibale. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ezalite tengai na sina longi na zui motole. Ou que j'ai déjà atteint la perfection. To ete na komi na kobonga be. Mais qu'est-ce que je fais? Kase loko ni na kosa. Na zo potambang. Pour tâcher de le saisir. Mais lui m'a déjà saisi. Est-ce que vous le comprenez? Vous courez. Pour atteindre sa mesure. Pourquoi? Mais parce que vous êtes déjà dans sa main. Vous devez manifester sa nature. Je peux continuer? Vous me permettez? Il dit 13. Je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose. Oubliant tout ce qui est en arrière. Oubliant 2013. Mais me portant vers 2014. Qui est devant moi? Ne regardez pas dans les rétroviseurs. Qui vous a aimé? Qui ne vous aime pas? Et vous commencez à parler là-dessus en 2014. Courez vers le but. Pour remporter le prix de la vocation céleste. Quel est le prix de la vocation céleste? C'est la perfection. Il tâche. Ni ride, ni rien de semblable. Je sortais ici. Un fou est venu. On l'a amené vers moi ici. J'étais déjà entré dans la voiture. J'ai ouvert la portière. Je dis, Nalobi. C'est qui l'a amené? La maman a dit, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Il est fou. J'ai mis ma main sur sa tête. Il a craché sur moi pendant que je priais. C'était jusque dans ma bouche. Parce que je priais. J'ai dit, oh Seigneur. Quel travail difficile. Et je ne devais pas arrêter ma prière. J'ai continué. J'ai demandé que Dieu délivre de la folie la personne qui vient de cacher sur moi. Il faut atteindre la perfection. Amen. Amen. Être capable de pardonner. Être capable de fermer la bouche.
être capable de maîtriser n'importe quelle situation difficile que vous traversez. Ah Jésus. Oui, c'est vrai. Iyo, je sais que beaucoup d'entre vous sont plus que moi. Vous avez enduré. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. J'ai vraiment confiance en vous. Nazali penza ne likia epai na bino. Et je continue à vous faire confiance. Pe nazali kokoba kotia elikia nange pa na bino. Amen. Amen. Merci beaucoup. Natondio. Oublions ce qui est passé. Kobusana oye silikoleka. Courons vers le but. Kopotambangu kobilantina. Pour parvenir à la perfection. À la stature de qui? De Christ. Na epimelo oya Kristo. Vous voulez qu'on lise un peu le prophète? Shalom paragraphe 141. Shalom etana sakomoka matukumine na moko. Changer les pages ou changer les calendriers ne change pas le temps. Kobongo la makasa to kobongo la bamanaka yangonde kobongo la tango te. Amen. Amen. Et beaucoup de gens disent eh bien voilà, l'ancienne année est passée. Jetez le vieux calendrier. Mettez l'autre. C'est bien. C'est la nouvelle année. Amen. Amen. Non, je veux voir que votre vie change. Au lieu seulement du calendrier. Quand vous ouvrez la radio, vous écoutez les mêmes choses. C'est pas vrai? Oh, la guerre continue. Nous voulons que celui qui détient le futur soit uni à nous. Quand je peux sentir qu'il est avec moi, comment on appelle ça encore là? Cerf-volant. Le cerf-volant. L'itaka. Je tire. Je sens que même dans l'année 2014, il est là. Alors j'avance avec confiance. Parce qu'il m'a protégé pendant toutes les années. Il m'a protégé même en 2013. Beaucoup sont morts. Je suis entré en 2014. Il est capable de me protéger en 2014. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Je dis, cette année, c'est l'année de l'unité. Nalobiete, mbula o ezali mbula ya bomoko. Qu'est-ce que c'est que l'unité? Bomoko ezali eloko nini? C'est être un. Ezali kozala moko. Avec Dieu. Et l'ongon en zambé. Être un avec quelqu'un. Kozala moko na moto. Être un avec quelque chose. Kozala moko na eloko moko. C'est ça l'unité. Yangonde bomoko. Dans le mariage. Nakad na libala. Il doit y avoir l'unité. Et sengali bomoko ezal. Dans l'église. Il doit y avoir l'unité. Esengali bomoko ezala. Dans la religion chrétienne, na losambo ya ba Christo, il doit avoir l'unité. Esengali bomoko ezala. C'est Jésus qui a demandé cela. Yesu nde asengaki yango. Vous le croyez? Bino bonimi yango. C'est ce que Jésus a demandé. Yangonde Yesu asengaki. C'est ce que je vous prêche aujourd'hui. Yangonde nazali kote abino lelo. Quoi? Nin. L'unité. Bomoko. L'unité avec Dieu signifie bomoko elongo na nzambe elingi koloba. Croire à sa parole. Kondimela liloba na ye. À tous ceux qui l'ont reçu. Naba onyonso ba yambaki ye. Il a donné le pouvoir. Apesi bango bokonzi.
de recevoir la nature divine. Yako yamba lolenge yanzam. Écrivez ça. Comment yango? Quand Dieu envoie un message, tango nzambe atindi sangomoko pour être en unité avec Dieu, poyo okoma na bomoko elongo na nzambe, vous devez croire à ce message là. Esengeli ondimela sango wana. Quand il a envoyé Moïse pour être dans l'unité avec Moïse, avec Dieu de Moïse, il faut croire en Moïse. Est-ce que c'est la vérité? Il a envoyé Paul pour que vous puissiez avoir l'unité avec Dieu. Il faut croire en Paul, en son message. Aujourd'hui, il a envoyé William Branham pour être en unité avec Dieu. Il faut croire au message de William Branham. Quelqu'un peut dire amen à cela? Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quand le Père m'a envoyé, il était avec moi. Il était à moi. Mais quand moi je vous envoie, je suis avec vous. Je vous donne ma gloire. Je suis à l'intérieur de vous. Il leur a dit d'être unis. Et de devenir un bakoma moko et d'attendre ce que le Père avait promis. Pebazela oyo tata alakaki pour que ça vienne. Pote eya l'église doit être ensemble. Esengali ecclesia bazali sanga de même que na motema moko. Cette année mbula oyo c'est l'année de l'unité. Ezali mbula ya bomoko. Nous étions unis tozalaki na bomoko. On était sous les nattes avec le message de l'heure. Malgré les critiques, la colonne de feu est venue là-bas. Et la colonne de feu est entrée par ici. Qui avait vu cela ce jour-là? Visible comme ça. Pourquoi? Parce que nous étions devenus un. Nous tous. Et quand le Saint-Esprit vient, vous devenez un avec Dieu. Lui, il a dit quoi? Sarment. Hein? Lui, le cep. Et vous, vous êtes des sarments. C'est lui le tronc. Yende mobimbi. Et vous, vous devenez quoi? Des branches. Yo komi etapi. Et la branche. Na etapi. Et le tronc. Na mobimbi. Mais c'est le même arbre. Ezali kakantete moko. Est-ce que c'est la vérité? Ezali solo. Est-ce que la branche peut dire je ne suis pas mangué? Etapi nzete kolobete ngai nazali nzete manga. La branche dira je suis mangué. Etapi nzete manga. E kolobete ngai nazali nzete manga. C'est moi qui porte le fruit. Ngainde na botaka mbuma. Vous voulez voir Dieu? Mais regardez aujourd'hui à ce que Dieu fait avec le frère Baruti. Vous voulez connaître si c'est quel arbre? Regardez le fruit que cela donne. Et qui donne le fruit? Ce sont les branches. Où est-ce que la branche reçoit la force? Où est-ce qu'il reçoit la vie? Du tronc. Nous recevons tout ça de Dieu. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de la nature de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Vous ne pouvez pas dire que moi, j'ai le Saint-Esprit. Quand votre nature ne montre pas Dieu, le Saint-Esprit ne critique pas. Le Saint-Esprit ne ment pas. Acclamez le Seigneur Jésus. Oh Jésus, la kisabana yo.
17 sur l'unité. Jean 17:11. Jésus a prié pour que l'église et lui soient un. Yesu abondela kipoete ecclesia na ye bazala moko. Pour que l'église, nous, en tant que membres du corps de Christ, qu'ensemble nous soyons un. Pour être ecclesia biso, le corps a binama na zoto na Christo, banso tozala moko. Tout comme lui et le Père sont un. Pela moko ye na tata bazali moko. Oh! 18. C'est la seule base de communion fraternelle. Nzokande yango kakande mopoko moko yo ya bondeko. Aimez-vous les uns les autres. Bolingana bino na bino. Si vous allez enlever l'unité parmi vous, vous vous divisez, Dieu n'est plus avec vous. Soki bolongo moko kana bino pe bokabwani nzambe azali so elongo na bino te. C'est la seule base de communion fraternelle. Que Dieu ait jamais posé pour lui-même et son église. C'est l'unité de lui-même dans les gens. Et c'est la seule base de communion fraternel. Et l'unique moyen pour vous d'avoir cette base, c'est par une union. D'être uni à lui pour toujours. Exactement. Comme lorsque vous vous unissez avec votre mari. Comme vous unissez avec votre femme. Vous savez que vous êtes marié. Celui qui est uni à Dieu sait qu'il est marié à Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Il vous dit, ne faites pas ça. Et vous laissez. Il vous dit oui, continue à avancer. Je suis d'accord avec ce que tu fais. Et tu continues à avancer. Il vous dit, ça ne le faites pas. Et vous laissez. Et Dieu marche avec vous. Lui, il est votre mari. Et vous, vous êtes son épouse. C'est exactement la même chose. Une femme qui ne veut pas les paroles de son mari, ils sont désunis. L'unité vient de la parole que l'homme donne à sa femme. Et si la femme ne croit pas à ça, ce n'est pas son mari. Est-ce que c'est la vérité? Mes frères, écoutons un peu ce que Jésus a dit dans Jean. Vous croyez que c'est lui notre maître? Amen. Amen. C'est dur la parole de Dieu. Verset 23. Jean 14:23. Jésus lui répondit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Vous aimez un homme, votre mari. Quand lui parle, toi tu ne veux pas écouter. Mais vous n'êtes pas sa femme. Je ne sais pas si les sœurs comprennent. Il y a ainsi. Si quelqu'un m'aime, il fera quoi? Il gardera ma parole. Mon père l'aimera. Oui. Moi, mon épouse, quand je dis quelque chose, elle fait ça. Je l'aime. Des fois, je dis, oh, toi aussi, tu exagères. Tu obéis un peu trop. Mais tu avais dit ça.
mbamusunga na ipsa keke yopo le kisindelo oto sakape mingi akoroba nangai me yondolo baki yango alo jenem na bongo nenga na zoni ngaye parce qu'elle est soumise à moi po azali koto sangai. Ce n'est pas moi, je lis la Bible. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il dit, le Père l'aimera. C'est lui le Père. Oh Jésus. Oh Jésus. Le Père Bango pour les nan. Parle-leur ouvertement. Il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. C'est un peu comme dans les mariages. Votre mari vient sur vous. Et vous portez de bons fruits. Ce sont des secrets, mes frères. Les gens vont se poser des questions. Mais pourquoi c'est seulement quand toi tu pries, Dieu répond. Jésus a dit parce que moi j'obéis à mon Père. Tout ce que mon Père me montre, je le fais exactement comme il me montre. Il est content de moi. Il dit vous aussi. Continuons à lire. 15. Jean 15. Yohane Zominamitan. Verset 14. Nzela Zominamitan. Verset 4. Nzela Mine. Demeurez en moi. Ami, Bofanda. Vous allez demeurer en Jésus comment? Yoko yoko kene kofanda kat na Yesu nengi. Mais c'est la parole qui demeure en vous. Lilobande kofanda kat na yo. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Bino pe boume la kat na nga ipe na koume la kat na bino. Aïe aïe aïe. Ça sont des secrets, hein. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. Oh moi. Oh, moi. Je suis Dieu. Il va vous laisser. Vous n'aurez plus de fruits. Quand vous portez le fruit, vous dites c'est. C'est le manguier qui a fait. Tango yo botimbuma et sengelo lobete mobimbi nzete amanga ndemoto ebimisi yango. C'est l'oranger qui a fait ça. Ezali nzete oyo ya malala ndebimisi yango. Moi je ne suis qu'une branche. Ngai nazali kaka etapi moko. Et vous restez dans la sainteté, dans sa nature, vous porterez encore beaucoup de fruits. Okou mela na kimo santu na lolenge na ye nde okobota lisusu bambu mebele. Si il demeure attaché au cèpe ainsi, vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi. Ce qui a koumé la kangami na mobimbi. Bon, ce qui boumé la kat na ngaite boko kapete. Je suis le cèpe. Ngai nazali, nzete to mobimbi. Vous êtes le serment. Bino bozali bitapi. Celui qui demeure en moi. Oya koumé la kat na ngai. Et en qui je demeure. Pe kat na yenga na koumé. Porte beaucoup de fruits. Akobota. Bambouma ebele. Il parle de vous. Vous allez porter beaucoup de fruits. Azolo banatina na bino bokobota bambouma ebele. Batu ba obana kobanga bino. Et les gens auront peur de vous. Vous prononcerez la parole, la chose arrivera. Okoloba lilo mabeli kambo esalemi. Pourquoi? Ponanini. Vous avez Jésus en vous. Ozali na Yesu kati na yo. Vous avez sa semence, sa puissance. Ozali na mamboto na yena nguya na ye kati na yo. Ah, c'est une leçon, hein. Oyo ndeli teya. 7. Sam. Jean 15, 7. Yohane, zom ne mitano sam. Si vous demeurez à moi, ce qui boko me la kat nangai. Ah, ici il ouvre le secret. Awa zipoli sekele. Et que mes paroles demeurent en vous. Mpe maloba nangai e umeli kat na yo. Demandez ce que vous voudrez. Senga nyoso yo okolinga. Et cela vous sera accordé. Payango ekope samela yo. Si vous portez beaucoup de fruits, so ki yo poti bambu mebele. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Bobele lolenga nande tata na ngaya kozon kembo. Et vous serez réellement mes disciples. Pe bokozala solo penza baye koli na ngai. Je vous donne ma gloire. Na pesi bino kembo na ngai. Amen. Amen.
Jean chapitre 17. Yohane Zomina Sambo. Verset 11. Nzela Zomina Moko. Je ne suis plus dans le monde. Ngai nazali lisusu na mokilité. Et ils sont dans le monde. Bango bazali kad na mokili. Je vais à toi, Père Saint. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Naye pa ina yo tata mo santo. Batela bango kad na komo na yo. Afin qu'il soit un. Pour être bango bazala moko. Comme qui? Loko anani. Comme nous. Loko la biso. Vous êtes là en train de bousculer le pasteur, vous bousculez le diacre. Vous allez en aga kosumukuma mokengeli, kosukuma basungi. Jésus veut que nous puissions être un. Yesu alingi toko kakozala moko. Alors, le Père sera content. Nde tata akosepela. Il viendra travailler avec nous. Akoya kosa mosale longo na biso. 20. Tokumi bali. 21. 23. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. Nazali gobonde la kakampona bango pamate. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Donc ceux de Rigini là-bas. Kasi natina na ba opeba konimelangai na nzela maloba na bango. Eliko baba wa Rigini kuna. Afin que tout ce soit un. Pwete bango nyoso bazala moko. Comme toi Père tu es en moi. Ndenge yo tato zali kati na ngai. Et comme je suis en toi, afin que aussi soit un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Oh, toi tu veux avoir la gloire de Dieu. Oui, il m'a donné la gloire. Oh, quand un malade est guéri. Tango mobena biki. Écoutez Baruti, j'ai suivi ça le matin aujourd'hui. Yoka Baruti, Yoka Baruti, na la nga na télévision le natong. Quelqu'un qui sort du coma. Moto abimi, abimi na kad na coma. Même si je présente Jésus. Adesso na talisi Yesu. Mais je reçois aussi une petite gloire. Ngai pe na kozoma nkembo muke. Est-ce que c'est vrai? Eza solo iyo. Mais moi je dirais que toute la gloire va à Dieu. Mais vous ne voyez pas Dieu. Vous me voyez moi. Je reçois aussi une petite gloire là-dedans. Ah, soyons sincères. Aïe. Il faut voir les appels que je reçois depuis le matin jusqu'au soir. Et Sengeli, Okoakoyo, Kabambelo, Yobaza, Kobayanga, na téléphone, Bandatongo, Tena, Boutou. Les gens sont à la maison depuis le matin jusqu'au soir. Bato, Bazan, Nanda, Kunangai, Bandatongo, Kinona, pourquoi? Pourquoi? Ponanin. Pourquoi cette attraction? Ponanin, Kobenda, Maoyo. Parce que Dieu m'a donné un petit don, un petit quelque chose. Ponza, Babé, Singai, moi, Eloko, Moko, Mouke, moi, Likaba, Mouke. Elohime, aïe, champion du ciel, oh. Aïe. Je dois vous dire la vérité. Quand Dieu vous bénit, il vous donne une petite gloire. Je vous dis la vérité. Celui qui a Dieu, quand il marche, on le respecte. Quand il parle, on l'écoute. On n'a pas besoin d'adoration. Nous adorons Jésus. Pourquoi? Il est la manifestation de Dieu dans sa plénitude. Mais Dieu a ses enfants. Ils sont qui? Mais ils sont de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont la nature de Dieu. Si vous avez la nature de Dieu, vous êtes un petit Dieu. Frère Benham l'a dit dans l'unité. Il dit, celui qui est un enfant de chien, un chiot, il a la nature de chien. Tout le temps péché. Vous ne portez pas de pantalon de femme. Parce que vous avez la nature de Dieu. Quelqu'un peut dire amen?
Vous ne faites pas de maquillage. Parce que vous êtes dans la nature de la parole. Quelqu'un peut dire amen. Vous ne courez pas derrière les femmes. Parce que vous êtes dans la nature de Dieu. Vous vous êtes préservé dans votre virginité. Parce que vous avez Dieu avec vous. Sans Dieu, dans ce monde ici. Quelle est cette fille qui va accepter d'abandonner le plaisir? Il doit avoir la nature de Dieu. Vous n'avez pas la nature des cochons. Si vous, vous comprenez, dites amen. Amen. Est-ce que vous êtes unis avec Dieu? Soyez unis aussi avec votre frère. Sangana pe nandeko na yo. Saluez la personne qui est à côté de vous. Pesa moto azali pembe na yo mbote. Dis-lui je t'aime mon frère. Je t'aime mon frère. Je t'aime mon pasteur. Je t'aime mon pasteur. Je t'aime ma sœur. Je t'aime ma sœur. Mon frère bien-aimé. Ah aïe. Que Dieu bénisse passé ton bololo. Je veux que l'amour règne ici. Na lingete bolingo e konza awa. Amen. Amen. Je t'aime mon frère. Na lingete konanga mobali. Pas cafédé. Je t'aime Jawielo. Na lingio. Je vous aime. Na lingibino. Nous sommes une famille. Tozali libota moko. Dans une famille. C'est l'amour qui doit régner. Même s'il y a un méchant dans la famille, mais il est dans la famille. Vous avez le même sang qui coule. Vous ne regardez pas sa méchanceté. Il est de votre père. Il vient de votre mère. Vous pensez que dans vos familles, tout le monde est parfait? Vous devez vous aimer même dans vos familles, jamais. À combien plus forte raison dans la famille de Dieu? Vous devez vous aimer. Que l'amour règne ici à Rigini. Pour nous pousser à l'unité. Quand vous parlez le même langage, tango bozali kolobela beni moko. Vous êtes dans l'unité. Quand le diable vient confondre votre langage, vous êtes déjà dans la division. Ils étaient unis. Mais ils étaient contre Dieu. Ils voulaient faire la tour de Babel. Mais ils n'étaient pas unis avec Dieu. Si vous n'êtes pas unis avec Dieu, le diable, ou bien Dieu viendra. Il viendra vous confondre. Vous parlez comme ça. Amène-moi la brouette. Lui s'en va. Et il vient avec l'appel. Mais non, j'ai dit la brouette. Et je ne comprends rien. La confusion commence. Vous tous, vous devez être derrière votre pasteur. Vous êtes derrière. Tous derrière. La croix de Jésus, allons tous en avant. Qui soit dans l'erreur. Vous êtes sûr que c'est Dieu qui l'avait placé? À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il n'a pas Jésus jugé les paroles de Jésus. Si vous devez juger ça aujourd'hui, il dit vous devez manger ma chair. Alobi, bo sengeli kolia mosuni nangai. Et boire mon sang. Et si vous étiez là, c'est une raison vraiment de dire que ah, c'était magicien. Mais on a pensé, Zali, comment on les appelle? Vampire. Tu te lis à Makila Naï? Que nous puissions boire des choses?
Qu'est-ce qu'il a dit? Alubi bon. Mais toi, tu n'as pas écouté. Oh, yo yo kide. Alubi, il faut que tu makila. Il a dit qu'il faut que quelqu'un mange sa chair. Oh. Eh? Est-ce que nous sommes des cannibales? Biso te komine balay batu. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Abiso nini. Son sang est un breuvage. Oh, makila na yezabi meli à solo. Ne jugez pas. Dieu laisse certaines choses pour chasser les autres. Je vous dis la vérité. Frère Banam dit, Pierre n'a rien compris. Mais il avait déjà vu la main de Dieu sur cet homme. Et à qui d'autre irions-nous? Nous nous avons vu. Et nous croyons que tu as les paroles de la vie éternelle. Acclamez le Seigneur Jésus. Tous unis. Notre drapeau, c'est Jésus-Christ. Tombola drapeau. Hisse le drapeau. Le nom de Jésus. Tous les problèmes que vous avez, dis cela à Jésus. Dites à Jésus tout. Ne lui cachez rien. Il a la solution à vos problèmes. Dans 2014, il répondra à votre problème là. Si vous croyez, dites amen. Amen. Même s'il si n'a pas répondu à 2013, dites, moi j'ai confiance. Moi j'ai confiance. En 2014, il répondra. Il répondra. Moi j'ai confiance. Moi j'ai confiance. Il faut être positif. Il faut que dans l'année 2014, votre foi soit au top. Vous croyez cela? Amen. Il faut que dans 2014, vous ayez plus de foi en Dieu qu'en 2013. Vous allez le faire. Moi, j'ai confiance. Vous pouvez le dire. Moi, j'ai confiance. Psaume 62. J'ai confiance. Oui, io. C'est en Dieu que mon âme se confie. Nanzambe nde moli monanga yekolikia. De lui vient mon salut. Wute na yende lobi konanga ezali koya. Oui, io. C'est lui qui est mon rocher. Yende ezali libanga nanga. Et mon salut. Pe lobi konanga. Ba haute retraite. Et qui me lonanga. Je ne chancelerai pas. Nakotel. Cette Sambo. Oui, Iyo. C'est lui qui est mon rocher. Et mon salut. Ma haute retraite. Et qui me le je ne chancelerai pas. Na kotenga tenga te. Mon âme est attachée à toi. Moli monanga ikangani na yo. Ta droite me soutient. Loboko na mobale ezali ko sunga ngai. Nous allons maintenant faire ça ensemble. Tokosala ngosi ko biso banso elongo. Dans Psaume 91-91, ensemble, verset 1. Celui qui demeure sous la buée, je ne vous entends pas. Celui qui demeure sous la buée du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre au filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tes yeux seulement, tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne s'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder toutes tes voies. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Mettez l'encolo Jésus-Christ ma boca. Est-ce que vous croyez à cela? Bino bondibiango. 121. Mokama na tukumbale na moko. Psaume de David. Nzembo na Dawidi. Encore une fois ensemble. Mbala moko ni suto tanga banso nzela moko. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera du mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Dès maintenant jusqu'à la fin de 2014. Amen. Amen. Vous croyez cela? Bon dimiango. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Yahweh akobate la bobiminayo pe bokominayo. Dès maintenant. Jusqu'à la fin de 2014. Bonne année 2014. Que ce soit une année bénie. Moi, j'ai confiance. Dites encore à haute voix. Moi, j'ai confiance. Encore une fois. Moi, j'ai confiance. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous soyez de vrais chrétiens en 2014. Que vous soyez bénis spirituellement, financièrement. Que vous soyez la tête et non la queue. Que Dieu vous bénisse.